Repetition. He dips the paint, the brush in the paint, and he repeats the main gesture. It's about precision, it's about discipline, it's about time. It's a performance more than a painting. It's a... Et ça, c'est très, très important, parce que c'est une façon de déconnecter de tout ce qui se passe autour et de focuser vraiment sur le process of making this artwork. Et c'est à cause de, grâce à ça que les femmes parlent beaucoup de l'importance de la respiration. Son corps, c'est un outil pour lui. Quand il respire et de façon dont il parle, les grands tableaux qui viennent dans les années 90, les grands gestes, il a construit un pont sur les tableaux pour faire les gestes. Alors pour lui, son corps, ça fait partie de la processus. Et là, c'est qu'on a cité son corps est quelque chose qui vient de la nature. Et il revient à la nature tout le temps, avec les pierres, avec les cailloux, avec le gravier. Et la confrontation et la juxtaposition avec les matériaux qui sont industriels, comme le steel, comme le verre, etc., etc. Et là, moi, ça c'est un de mes salles préférées qu'on va voir ici. Parce que c'est vraiment pour moi, en tant que commissaire, peut-être pas pour vous, un dialogue que j'aime bien en addiction, mais aussi le mouvement des lignes dans le tableau. Je trouve qu'il y a vraiment un échange. Mais tu ne penses pas que ça parle aussi du mouvement, ces œuvres-là? Bien sûr. Très pop, en fait, des années 70, 80 même. Je pense que... Et alors, on a dit en plaisant, peut-être on peut avoir un tableau de Rembrandt.